aussi accès à l'intérieur. Restez, c'est mon premier jury, si ça va pas bien à la Dremel. Changement de plan, oui, j'ai tracé, voilà, ma ligne fait. C'est cette machine-là qui va aller dans ce bidon-là. On devrait le faire, je pense, l'intégrer au bidon. Sur ce modèle, le destin, je vais là, je vais tout garder en l'état. Alors vous allez voir comme ça. Voilà, quand je vous dis qu'on va y aller aux choses pieds. Je pense qu'on peut dire que j'ai deux poulets récapitulés un peu plus dans le thème de fermeture. Il y aura des charnières, il y aura des LED, vous savez. Nous avons quoi? Nous avons le fan de... Cette fois-ci, c'est vraiment... Le bazar, allez. Surélevé, et elle viendra se positionner correctement. Je vous montre. Deux lattes de bois pour surélever la ligne, tout simplement parce que le fond de ventilo, et alors la prise de ligne. Et voilà ce que ça donne. Alors, je vais faire toutes mes découpes. Ah, bien, bien, bien. Là. Découpe... c'est deux lattes de jacquemin, on ne sera pas collé, on ne sera pas vissé directement au niveau. Oui, c'est foiré, vous allez voir, c'est maniaque, le moins de rectifier. Maintenant, réellement, pour la date, toujours autant de bon, mais je vous jure, j'avance. En fait, des composants, et ça tient, de bluff. Je vois déjà les petits malins. Oh, les haut-parleurs, il me manque pas mal de choses. Je vais pouvoir combler, s'il me reste un peu de VFR, je vais l'enlever. Et je vais placer un Intel Core de quad. Ne fût-ce que pour regarder de la vidéo. Alors, eh bien, voilà, disque dur. Ça, casque micro, haut-parleur, prise alim, ventilo alim, pour voir le disque dur. Alors, je ne saurais pas résister. Il faut que je vous montre le truc.